Jessica. Eh oh, tu m'entends? Jessica? Jessica! Grand frère, tu m'as manqué! Ça fait tellement du bien de voir que tu vas mieux, Jessica. Me laisse plus jamais seule, s'il te plaît. J'ai eu si peur. Je laisserai personne te faire du mal. Ne t'inquiète pas. Je l'ai dit, je te protégerai, tu le sais. Pourquoi tout est noir, grand frère? J'ai peur. Merci de me tenir la main, grand Jessica, frère. Tu m'entends? Ethan? Je ne te tiens pas la main, là. Oh non, ça recommence. Non, pas ça. Pas maintenant. Ah, la ville. Mais où sont passées toutes les lumières? Là. Non, s'il vous plaît, Ethan, j'ai peur. Non, laissez-moi. Sortez-moi de cet enfer. Il va venir me chercher dans quelques nuits. Je le sens, il est tout près de moi. Il va venir me chercher dans quelques nuits. Il est là. Oui, on devrait la laisser. Elle dort toujours. Peut-être qu'un cinquième mois sera concluant. J'en ai marre. Écoute, on sait que t'es toujours triste parce que Jessica est dans le coma, mais bon, change-toi les idées. Je sais, mais... Ethan! Pour que Lily paye le repas, c'est vraiment qu'elle veut te faire plaisir. Alors souris. Non, je déprime pas là-dessus. Juste perplexe et perdu face aux événements. Toute cette disparition et l'accident de Noël, les agissements du maire... Tout est étrange depuis que ce maire est arrivé. Je veux en savoir plus. Écoute, je vais essayer de m'informer. Si tu veux, demain, on commence les recherches. Ouais, je propose qu'on fasse des recherches. Puis regarder les infos après. Ça concerne le maire, apparemment. S'il vous plaît. Ah, bon, voilà les enfants. Que puis-je faire pour vous? Encore le maire. Est-ce qu'il passera aux infos bientôt? Oui, demain il va passer aux infos. Ne manquez rien, ce sera un peu avant midi. Merci, on va la chercher demain. Comment ça, vous n'avez plus de pizza? Vous avez dit pizza? J'arrive! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons quelques nouvelles que le maire a voulu transmettre. En effet, Monsieur Spadlin serait en déplacement pour un voyage d'affaires. Il reviendra dans quelques jours. Nous citons son message. Ne vous inquiétez pas, je serai bientôt de retour. La police et les forces de l'ordre prendront mes fonctions en attendant. Faut qu'on fasse quelque chose. Le maire n'est même plus là en ce moment. C'est le moment ou jamais pour se renseigner. Mais on fait que ça! Je comprends pas, Ethan. T'es pas doué. Il parle de ce... renseigner, si tu vois ce que ça veut dire. C'est-à-dire, je comprends plus. On devrait remplacer se renseigner par s'infiltrer discrètement dans la mairie. Mais vous êtes fous? On va se faire choper et imaginez ce qui peut se passer. On n'est pas doués pour ce genre de choses. Voilà, t'as ta réponse. Allons au centre-ville. Ouais, on y va. Hé, attendez-moi, j'ai des petites jambes. Bon, nous y voilà. Je vous explique un peu. Le bureau se trouve apparemment au deuxième étage, mais le problème, c'est la dame de l'accueil. Pourquoi? Et si ça se trouve, bah, va y avoir une dizaine de gardes armés avec des pistolets. Attendez, vous partez loin, vous deux. C'est une mairie, hein? C'est naturel d'y aller. Ouais, mais t'es infiltré au deuxième étage. C'est pas naturel, hein? Alors ferme-la, madame. Aussi naturel que tes cheveux. Ah bah t'es bien placé Stop, pour dire ça, toi. Calmez-vous. C'était quoi, ça? Venez, on va voir. Et merde, grouillez, par ici, sinon on va se faire choper. Oh, on a réussi à les semer. Je vous préviens, s'il nous arrive quoi
que ce soit, je vous tue les deux. Ah bah prépare les armes alors. Chut, faut chercher les trucs utiles maintenant. Alors silence. Y'a rien, regarde, ce ne sont que des documents administratifs. Bande de génies, on est dans une mairie, ça vous étonne? Mais non, je suis sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Ce ne sont pas que des papiers, ça parle aussi de sa nouvelle usine, Spadling et compagnie. Regardez ça. Sérieux? C'est quoi? La création de l'usine, c'est étrange, non? Regardez, tous ces papiers parlent de l'usine. Une succession de recrutements, plus de 1000 emplois, dont même mon père. Et tout ça pourquoi? À quoi elle sert cette usine? C'est vrai, c'est ni des produits industriels, ni commercial. À quoi sert cette usine? Ils fabriquent quoi? Je sais pas, mais c'est encore plus étrange qu'aucun papier ne parle de ça. À moins que les papiers les plus secrets se trouvent dans la tour de la ville. Vous savez, cette grande tour vitrée. Je crois que c'est son deuxième bureau. Je pense que t'as raison. Ah oui, chut, vous savez, ce sont beaucoup de papiers administratifs, mais... Cachez-vous! Ils veulent me mettre à la retraite. Moi, je leur ai dit, hein. Je suis assez jeune pour continuer tout ça. Ah non, mais ils sont tous contre moi, tu es d'accord? Ils veulent me mettre à la retraite. Restez cachés, c'est la ils secrétaire. Ils veulent tous la place, je ne les supporte elle pas. Elle part toute seule, y a aucun danger, c'est une petite vieille sans défense, elle peut rien nous faire. Madame, vous parlez seule? Vous vous êtes perdue? Oh merde, putain. Ah, je le savais. Vous êtes là pour me mettre en retraite, hein? Vous savez quoi? Vous n'aurez jamais mon job! Sécurité! Sécurité! Merde, allez vous cacher, vite! Merde, courez! Vite, ils sont par là! Ils sont par là! Il n'y a pas d'autre issue possible! Attends, tu vas voir! Venez, venez, vous êtes où? Attends qu'on les sort de là, ça va être drôle. Ne pas paniquer, vite, ne pas paniquer, ne pas paniquer. C'est quoi? Hello. Ça! Viens, dépêche-toi! Viens, dépêche-toi! Vite, va falloir sauter! Elle saute! Non! Vite, courez! Je vous déteste! Nous aussi on t'aime, t'inquiète! Bande de gosses! Qu'est-ce qu'il foutait ici? Je sais pas. On ferait mieux d'alerter Monsieur Spadlin. Hein? Oh, un message! Tiens, j'ai des amis! Intrusion dans la mairie, hein? J'ai déjà ma petite idée. Serveuse, s'il vous plaît! Oui? Je peux vous être utile? Ah, c'était quoi ça? Alerte, je demande à savoir tout de suite! Prévenez la tour de contrôle! C'est un coup de feu, il y a un indésirable à bord. Vérifiez si le maire et les passagers vont bien. Je demande un atterrissage d'urgence. C'est horrible, monsieur le pilote! Un serveur vient de se faire tirer dessus! Nous devons descendre immédiatement et retourner à la ville, comme l'indiquent vos procédures, non? Écoutez-nous, ne nous pouvons pas faire demi-tour, nous devons juste faire un atterrissage d'urgence. C'est une urgence code rouge, je répète, code rouge! Affirmatif, posez-vous au sol le plus vite possible, une piste vient d'être préparée pour vous. Bien sûr! Non, vous ne me faites pas écouter! J'ai dit retourner dans la ville. Écoutez, monsieur Spadling, nous comprenons votre angoisse, mais nous devons retourner au sol le plus rapidement possible. Dans ce cas, on va descendre très très vite. Qui êtes-vous? Vous êtes fou! Le vol 747 vient de se crasher aux frontières de la région. Environ 150 morts ont été recensés, dont le maire de Whitestall, William Spadling. Cet accident catastrophique est un véritable cauchemar. Le maire de la ville est décédé dans l'accident. Les habitants semblent être pris de panique dans les rues. Demain, sera organisée une procession dans la ville en honneur de Monsieur Spadling. Il reste cependant certaines personnes persuadées qu'il a réussi à être sauvé du vol par un quelconque moyen. La presse et la police sont actuellement en train de faire des recherches. Voici quelques témoignages. Vous avez entendu parler de ce qui se passe récemment? Mais c'est horrible! C'est un véritable désastre. On a dû réquisitionner c'est la mairie. C'est horrible! Pire qu'à Noël, ça sera quoi ensuite? J'aime vraiment pas ça. Oh non, les mecs! Pour une fois que je prenais des vacances hors de Tradition City, vous êtes pas sérieux? Je ne comprends pas. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose de pas net ici. Et vous, pourquoi vous vous plaignez autant? Eh, mêlez-vous de vos affaires, vous! Non mais je rêve! Thank you.
Allô, Esther? T'as vu ce qu'il se passe? Oui, c'est horrible, mais bon... Tu ne trouves pas ça bizarre maintenant? Comme par hasard. Et ça s'ajoute à tous ces événements étranges. Je sais, tu veux y faire quoi? Aller voir des gens étranges pour y combler le tout? Je sais pas, je suis perdu. Je sais jamais rien, j'en ai marre. Doucement, doucement. Tu te souviens de ce que je t'ai dit par rapport à mon dernier voyage à Ferratica, donc bon... Non, ton voyage? Ce n'est pas encore arrivé, oublie ça. T'es étrange ce soir. Enfin bref, repose-toi bien ma petite Esther. Oh, c'est bon. T'as qu'à aller voir le type qu'on a vu à Noël. Il en saura peut-être quelque chose, je sais pas plus. Mais oui, c'est ça, tu es géniale Esther. Je reviens. Je te rappelle tout à l'heure. Ethan? Oh, il a raccroché. Alors Esther, tu parles à ton amoureux ou tu dors? Oh, papa, c'est bon. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Ethan, te voilà. Je suis sûr que tu allais venir. Ah, bonjour. Vous êtes au courant de ce qui se passe? Je ne peux pas dormir avec les bruits de sirène. Comment veux-tu que je ne sois pas au courant? Je suppose que tu es venu au sujet du maire. 2 secondes, je finis de dépoussiérer mes cadres et j'arrive. Eh, c'est marrant, j'ai la même améthyste chez moi. Un cadeau, je ne sais plus. Enfin bref, viens. Bon, vous en savez quelque chose du coup ou pas? Tu sais, depuis que tu as rétabli l'horloge à Noël, il se passe des choses plus étranges. Rien que le pizzaiolo, il apparaît, disparaît. Et puis toutes les disparitions de la ville, ça commence à devenir étrange. En plus de ça, le maire disparaît. Vous ne vous demandez pas ce qu'il se passe dans l'usine? Ce n'est pas une usine chimique, ni une usine industrielle. Je sais pas qu'est-ce qu'ils produisent. Ethan, tu ferais mieux d'y aller voir toi-même. Sois prudent, ne fais pas comme la dernière fois. Ah ça, je risque pas, je serai prudent. Mais comment je peux faire? Tu sais, ton père et Mojo travaillent pour le maire. Après, je ne dis rien. Mais oui, vous êtes un génie. Merci. N'oublie pas, il se passe des choses plus étranges comme des perturbations électriques. Peut-être, cela vient de l'usine. Je sens quelque chose de grand, puissant qui approche. Sois prudent, Ethan. D'accord, et merci. Reviens me voir dès que possible. Oh, ces jeunes, ils savent pas fermer les portes. Oui, oui, je suis étrange. Mais c'est pas une raison pour venir à 1h du matin. Qui êtes-vous? Hein? Bonjour. Monsieur Spalding? Laissez-moi rentrer, ça ne va pas durer longtemps. Bonjour. Bonjour. Coucou papa. T'as vu dans quel état il est? On dirait un zombie, c'est horrible. Je ferais mieux d'en parler à mon père. Il en sait peut-être quelque chose. Oui, je confirme. Car là, c'est étrange. Chaque matin, quand il rentre de l'usine, il est comme ça. Et impossible de le questionner. Oh bah, viens, j'ai une solution. Ok, mais habille-toi, il est midi, hein. Et tu dis qu'il est comme ça chaque matin depuis qu'il travaille dans l'usine? Aïe, regardez-le, on dirait un zombie. En effet, je ne sais pas. La police n'a pas le droit d'enquêter dans l'usine. Notre rapport explique noir sur blanc que ce qui se trouve dans l'usine est réservé aux ouvriers et aux scientifiques. Il semble y avoir une hiérarchie. Plus les personnes sont gradées, plus elles peuvent accéder à des endroits spécifiques. Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen pour qu'on puisse aller voir? Hé, c'est hors de question! Ce n'est pas mon boulot, encore moins le vôtre. Je suis désolé les enfants. S'il te plaît Mojo, y a pas moyen? C'est très important. Ah, je sais Ethan. Je vais aller au travail. Pour ce qui concerne votre père, je vous conseille de le laisser se reposer. Je vais poser un rapport demandant l'éclaircissement de ces histoires d'usine. Ne vous inquiétez pas. D'accord, merci. À ce soir, papa. Oh, je crois qu'on peut aller quelque part. Comment ça? On prend les clés, on va à l'usine et hop, si tu vois ce que je veux dire. T'es un génie, Ethan! Allez, on y va! Attends-moi!
peux aller là. Je t'ai dit que non. C'est juste là-bas, au bout de la rue. T'attends dans la machine. J'ai peur. Les usines, ça me rassure absolument pas. Vous exagérez, sa construction a été ultra rapide. Vous attendez à quoi comme truc? Ah, je pensais pas à ça. Oh putain. Maintenant, on n'a plus qu'à se cacher là jusqu'à ce qu'il fasse nuit pour pouvoir rentrer. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans cette usine? C'est quoi tous ces bruits? Je me demande surtout ce que c'est que cette odeur. Vous sentez? Ça sent le métal. C'est bien pire. Aucune fumée ne sort, donc c'est pas des métaux qui font fondre. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe ici. Vous êtes prêts? On y va! J'ai peur. Putain, on voit rien! Mettez la luminosité de vos portables à fond. On va pas aller loin avec ça. Attends, on peut essayer les interrupteurs au pire. Voilà, et la lumière fume. Mon... Dieu. Wouah, c'est quoi cet endroit? C'est énorme! Toute cette couleur! C'est quoi ce bordel? Regardez tous ces tuyaux! C'est pas une usine normale! Vous avez vu ces liquides? C'est tellement coloré! C'est sûr! On dirait limite tes cheveux! Mais qu'est-ce qu'ils font dans cette usine, sérieux? Regardez par là-bas! On dirait que ça continue! Vous avez vu ce genre de porte? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien garder derrière? Je vous préviens, si je vois quelqu'un ici, je lui casse la gueule, moi! Venez voir! Qu'est-ce que c'est? On dirait des cuves, et regardez ça! Vous avez déjà vu ce genre de truc? Ah, ça pue, c'est horrible! Calmez-vous, c'est pas du sang! Regardez ça, ça a pas du tout la même couleur! Pourquoi tu t'y connais si bien en sang, toi? Affaire privée, cherche pas! Vous comprenez pas, que ça soit du sang ou pas, il y a un problème. Tous ces liquides dans les tubes, c'est quoi à votre avis? Il y a quelque chose de pas net, je le sens qu'on passe à côté de quelque chose de gros. Hein? C'est de l'énergie. Hein? De quoi? C'est de l'énergie. Il puise et récolte de l'énergie. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est de l'énergie. Ça va, Esther? Aïe! Non! J'ai mal au bras. Je comprends pas. Il y a quelque chose de pas net ici. Qu'est-ce qu'il a, ton bras? Je sens quelque chose de froid dans mon dos. Partons d'ici, ça vaudrait mieux. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. L'énergie semble être canalisée dans toute la ville. Je pense qu'il y a un rapport avec ça et les fluctuations lumineuses. T'as peur de quoi? Peut-être cette énorme porte? Wouah, c'est vrai ce truc de malade? Je ne sais pas. Mais pour qu'une porte soit aussi grande et si renforcée, je pense qu'on n'aurait jamais dû venir ici. Il cache quelque chose. Restez proche de moi. Ah! Ok, partez vite, courez! C'est quoi ce bordel? Courez! T'as fini de prendre ta douche?
Oui, oui. Toi, ça va un peu mieux ton bras? Tu sais, Tan. Oui, dis-moi, Esther. Je voulais te parler de quelque chose. Tu sais, par rapport à toi et moi. Oui. Eh bah. Merde, je vais te passer à l'hôpital. Faut que j'apporte la fleur à Jessica. Je te rappelle tout de suite. D'accord. J'ai limite l'impression qu'il le fait exprès. Quand est-ce qu'il va comprendre ce que je ressens ? Ah, vous êtes bien le seul à cette heure-là. Mademoiselle Jessica est toujours en chambre A37. Merci beaucoup. Tu dors toujours, petite sœur. Quand est-ce que tu vas te réveiller ? Je ne fais que t'attendre, moi. Est-ce que tu m'entends dans ton sommeil ? Dans tous les cas, cette fleur, elle est là pour toi quand tu te réveilleras. Je t'aime, petite sœur. Réveille-toi vite. Appel manqué d'Esther, hein? Qu'est-ce que c'est? Allô, Esther? Tout va bien? T'as essayé de m'appeler? Bordel, Ethan! Tu ne comprends pas! Ouvre un peu les yeux par rapport à mes sentiments! Esther, en parlant de ça, je voulais te parler de ça. Oh mon dieu, c'est horrible! C'est quoi ce bordel? Jessica! Jessica! Oh mon dieu, c'est quoi ce bordel? Elle est où? Qu'est-ce qui se passe, putain? Jessica! Jessica!